Mais c'est une grande souffrance que nous avons. Tout le monde sait qu'on en souffre. J'en souffre parce que j'ai des membres de ma famille aujourd'hui en prison. J'en souffre parce que ce sont des camarades. J'en souffre parce que ce sont des enfants du parti. Ce ne sont pas des militants simples. Bamba Fall n'est pas un militant simple. Il a été le jeune de Ahmed Diène. Bira Kandiaye n'est pas un militant simple. Son père a été ministre responsable du MJPS. Abou Mbaye est le neveu de la 4e vice-présidente de l'Assemblée. Alors qu'est-ce qu'on a mis en prison? Cheikh Sall, le neveu de Khalifa Sall, son fils? Non, ce ne sont pas des militants qu'on a mis en prison. Ce sont des enfants du parti, ce sont des fils de responsables. Nous n'avons jamais vu dans nos manifestations le fils de Tanor, encore moins le fils de Serigne Beytiam. Donc, ce que Tanor a fait en mettant les enfants d'autrui en prison est quelque chose d'inacceptable et qu'il se le tienne pour dit. Ça ne sera pas simple pour lui, on ne se laissera pas faire. Et ce qu'il a fait, il va le payer.